Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite d'Assassin's Creed Unity. Et du coup, la dernière fois, je vous avais laissé un peu sur votre fin dans le sens où j'avais pas terminé la mission. Puisque je ne comprenais pas, hein, tout simplement. Je suis en train de voir qu'il y a un voleur en même temps que je vous parle. Un voleur où je suis pas, c'est juste cette personne à tuer. Ça, c'est fait. Et du coup. Ok, donc j'ai fini une mission. J'en vois. Sans vouloir du tout. Et pour chaque coup, je mettrai que accepter suite. En fait, accepter, c'est juste en fait mettre la mission sur la carte et puis après on va regarder. Allez. Voilà. Quoi? Ouais? D'où venait ce épée qui m'a transversé le corps? Il y a une épée qui est venue, je sais pas d'où. Bref, peu importe. Donc du coup, voilà. Donc du coup, sur la carte, maintenant, j'ai trois trucs verts. Et donc du coup, ça correspond à la mission des masques. Vous savez, avec la cordonnière, je crois. Et du coup, ça correspond. Alors. Qu'est-ce que je peux vraiment vous avouer parce que ça peut être une zone interdite. Hein. Alors, on va faire quoi? Ah, elle a un caprice. Allez. Allez, mon garçon. Et je suppose pas que c'est là. Enfin, je suppose que c'est pas là en fait, mais. Si c'est là-bas, d'accord. Ah, le sang. T'es bien bouffé, hein, mon garçon. Je vais récupérer ça. Ah, tu te baisses même pas en fait, mon gars, c'est un mauvais sac. Ok. Ok, il y a un autre. On va courir un peu parce que là, la santé elle est pas là. Caché. Voilà. Je vais prendre un remède. Putain. Vous faites chier parce que je m'en Allez, c'est réglé. Ça c'est réglé. Bon, c'est bon, je peux avoir un peu de paix maintenant. Je peux récupérer mes sacs tranquillement. C'est bon. Tac de tête de Jacques Hébert. Du coup, j'en ai un autre de ce côté là-bas. Allez. Hop. Je sais pas si c'est en hauteur, hein, si c'est en hauteur, je pense. Non, même pas, ça se dit à le bâtiment. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Allez, rien du tout.
on se part. On se va, on se tire. Ils ont d'aigle directement. En fait, je ne vois rien. Voilà. Je suis un élève assassin. Ça m'a pas l'air d'être là. C'est bizarre. Hein. Bon, je vais faire l'autre côté. Voilà, toi je t'ai pas loupé. Vous n'êtes tous que des brutes. Frappez par derrière. Non, bordel. C'est pas possible. En même temps, la caméra suivra un peu mieux aussi. C'est quand même pas mal. Parce que c'est vrai que la caméra, elle a quand même beaucoup de mal à suivre. Il y a trop d'action pour elle là-bas. Donc à mon avis, l'autre zone, ça va être pareil. Ça va être un mec aussi à courir après. Je pense. Donc là, du coup, la zone est dure. Ça va essayer. Alors. Ok. Ah, directement. On va pas se prendre la tête. Voilà. Hop. J'ai une clé. Ok. Hop. Ok. Vous revenez troubler l'ordre public ? Les charités bien entendues. Et on vole directement. Voilà. J'ai bien reçu le paquet n'écrit rien. J'ai caché deux objets à l'intérieur de la conciergerie, enfermés chacun dans un coffre. Je possède la seule clé qui ouvre les deux, le nôtre. Ok. Donc, on va aller à la conciergerie. De toute façon, pas activer la clé principale, ça serait un peu bête. Alors, du coup, là nous avons une porte. On a deux trucs verts. Récupérer. Oui, je suis pas contre. Par où rentrer en fait? C'est ce truc. Allez, on rentre. Ok. Là. Oh, est-ce que c'est même pas là? Si, c'est là. C'est là. C'est juste en bas. Descends. Alors. En fait, la clé m'a servi strictement à rien, en fait. Je vais faire un peu d'escapade, c'est tout. Hey, reviens ici. Moi, je t'ai pas vu, mon gars. Alors, ensuite. Oui, c'est savoir du style. Swag. Ok, j'ai récupéré la tête, je sais pas à quoi ça correspond en fait là. La porte. Aucune idée. Allez, hop, on monte.
Je dois regarder pourtant, mais. Je sais pas. Hop. On va récupérer. À moins qu'il y ait une porte là. Ah, elle était peut-être là, attendez. Hop. Non plus. Je sais pas. J'ai franchement, elle aucune. Pas du tout la moindre idée. Voilà. On va faire une phrase française quand même. Alors, on va monter, on va prendre le coffre. Parce que, bon, avec les annexes, ça correspond aussi au coffre. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le coffre, il est en dessous. Hop, hop. D'accord, il est là. Il n'est pas là. Bon. Et bon, on verra ça plus tard. On va se prendre la tête. Et j'ai tout à l'heure un truc aussi. Reviens ici! Un voleur! Aidez-moi! Putain. C'est un voleur! Oui, je sais bien. Ah, hop. Et la concarde, elle doit être là-haut. Je te tue pas, je t'ai juste plaqué au sol, mon garçon, c'est bon. C'est bon, hein, plaire pas. Allez, voilà. Hop. Hop là, voilà. Ah, oh, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas. Caméra qui suit encore vachement bien. Allez, hop. Et hop. Voilà, donc je vais prendre la carte. La petite dame, elle est là. Voilà. Et du coup, on va retourner voir la dame, lui donner tous ses masques et valider la mission. Alors, d'ailleurs, si je prends la carte, en même temps, à quoi ça correspond, ça? Artefact. Okay, c'est un artefact. Alors, je grimpe, c'est plus simple. Oui, j'aime bien grimper, hein, c'est vraiment... En même temps, c'est les jeux aussi comme ça. Hein. Je viens de vous dire. Allez, on grimpe. On grimpe. Allez. Allez, mon garçon. Voilà. Allez. Voilà. Ensuite. Hop. On va sortir complètement du bâtiment. Là. Hop, hop. Hop. Ensuite, tac. Mais non, mais. Oh, c'est. Allez. Hop. Café et pizza. Ah, c'est bien, c'est écrit comme en ancien temps, vraiment sur les façades des maisons et tout. Ça, ils ont bien repris quand même. Ils ont vraiment bien repris. Hop. Alors là, je vais éviter un truc. Une concarde. Ah, c'est la concarde de tout à l'heure, ça. Je peux caler quand même. Je peux y jouer. Oh, voilà, ça va se voir. Ah, pour l'instant, voilà. Vous les avez. Je vais pouvoir réaliser mes masques mortuaires. Or, dans quel monde vivons-nous? Voilà, mission accomplie. Alors, touche pas. Alors, ça y est. Tu l'as fini. Alors, je vais voir vite fait ce qui est là. Ah, ça correspond en dessous en fait. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est une mission, d'accord, c'était sûr. Problème énigme. Entre justice et loi, deux lames
acérée d'argent battent les douzaines justement pour Monarque et Manon. Ok. Résoudre la première énigme. Ils sont sérieux? Ouais. Ouais, bah j'y penserai, mais on va dire, je vois pas trop quoi faire en fait, mais je vais y réfléchir. T'as un problème le ventre? Je l'entends le coffre, je pense qu'on l'entend aussi. Il est pas là. Il doit avoir un étage, voilà, un étage. Non, descend. Mais... Ah, c'est pas possible, quoi. Tu peux monter, voilà. Là, là tu montes. Là tu rentres dans la maison. Parce que le coffre, en fait, il est juste là en bas. Voilà. Hop. Faut chercher aussi la compétence. Toi, t'as un problème, je suis un peu. Bon, ça va aller. C'est prendre un gang bang là pour le mec. Ah, oh putain! Ah, les coups fatidiques comme ça, c'est horrible. Ah putain. Allez, c'est pas grave. Bon, je vais un petit peu ma carte, moi. On va voir si on a des coffres dans le coin ou autre. On va voir si on a des coffres dans le coin. Alors, déjà, on a un truc là. C'est la dénigme, justement, question. C'est ça. Résoudre la première énigme. C'est pas que je veux pas, en fait, la résoudre. Merde. C'est pas que là, je veux pas la résoudre, c'est que je sais pas comment. Donc, on verra ça une fois. Attendez, hop. Je vais en boutique, moi. Je vais aller en boutique, moi, s'il n'y a pas des compétences crochetage un petit peu avant. Je sais pas combien j'ai de points, Stagon. Quel plaisir de te voir. Ah, merde, il dort. Oui, excuse moi, je t'ai pas vu. Compétences, discrétion... Ah, j'en ai toujours qu'un. Oh, c'est nul. Hop. Hop. Arrêtez de venir m'ennuyer. Qui va te faire foutre? Hop, on va l'accepter. Si tu veux résoudre des meurtres, tu ne peux pas envoyer en prison la première personne suspecte que tu rencontreras. Enfin, si, mais tu arrêtera presque à chaque fois un innocent. Il va falloir être sérieux et mettre au point un système permettant de déterminer qui est le coupable. Pourquoi et comment? Je vais te faciliter les choses en décrivant les points essentiels. Lillet va enquêter et met la main sur le meurtrier. Tout ce que tu découvriras sera rassemblé dans un dossier, consulte-le pour te remémorer ce que tu as découvert. Examine tous les indices et parle à tous les témoins. Certains de tes yeux et de tes oreilles. Certains indices t'entraîneront vers de nouveaux lieux. Ne fais pas le paresseux, vas-y, cherche d'autres indices. Passe en revue ton dossier, fais marcher ta cervelle, lequel des suspects avait la possibilité, les moyens et un motif d'agir. Lorsque tu auras resserré l'étau autour d'une seule personne, retourne la voir et accuse-la. Les moines m'ont toujours fait froid dans le dos. Rester enfermé dans une grande bâtisse, ça abîme son âme. À ta place, j'irai voir le monastère qui est sur cette île. Ah ouais, c'est vraiment une enquête, quoi. Enfin... Ah, c'est pas mal, hein, ça change un peu de ce qu'on connaît sur la CMP. Eh bien,
Ah, on va là-bas. J'en ai rien à foutre, oui. On va la foutre. Hop. On va aller sur l'île. J'espère qu'elle est pas trop loin. Quelle mouche les a piqués? Allons, gentilhomme. Je regarde juste un truc ici. Alors, c'est ça, je peux l'avoir. Ah, je peux avoir, un truc. Je viens même satisfaire votre curiosité. Ça va, tranquille? Non, y'a rien. Ah, c'est bon. Donc là, on va prendre en face. Allez. Voilà. On va aller chercher la concarde. La petite concarde qui est tout là-haut, un peu, je suis sûr. Très bien sympatoche. Allez. Allez. C'est vrai qu'elle est pas en haut, elle est dedans. Non, c'est bon, elle est en haut. Voilà. Allez, on descend. On descend. Allez. Allez, mon garçon. Voilà, allez, on est presque rendu. Voilà, voilà. Je crois que je vais monter sur un mec, mais c'est pas. On s'en fout. Donc là, il y a une concarde aussi. Okay. Allez, bouge ton cul un peu. Bon, il reste une concarde là, je vais la prendre. Allez, monte. Là. Allez, là-bas, ok. Ok. Là. Et ensuite, on va aller au monarque. Au monarque, au ministère. Ça, je crois. J'ai un doute. Forcément, c'est en haut. Et il y a un escalier. Ah, vous disposez des points dispensés. Oui, ça, je sais. Et merde. Du coup, je sais pas plus. Frère Jean, un moine étranglé à l'aide d'un rosaire. Attends, mais je peux lire un peu, s'il vous plaît? Il semble être tombé de son siège pendant qu'il écrivait la salle de travail. Ok. Un vieux moine gisant mort dans son lit, il a le teint cireux et grisâtre. Ok. Corps de frère Stanislas. Un vieux moine gisant mort dans son lit, il a le teint cireux et grisâtre. D'accord. Corps de frère Benoît. Il y en a des morts. Il y en a des morts. Seigneur, les frères Stanislas, Bernard et même le respecté frère Benoît. Ensuite, frère Jean, tous morts. Ça dépasse l'entendement. Dieu soit loué. Trois frères ont survécu. Mais je n'ose le dire. Serait-il possible que le meurtrier soit l'un d'eux? Non, c'est ridicule. Quel moine serait capable d'une telle monstruosité? D'accord, ça pourrait être l'un des trois qui reste. Donc il en reste un là. Que d'émotions. D'abord, la mort des frères. Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis très las. Ils sont allés se coucher et il a été impossible de les réveiller. Je suis allé chercher le médecin.
À mon retour, j'en tremble encore. Ils étaient tous morts. Et frère Jean était là, étranglé à sa table de travail. Ah, on peut l'accuser directement si on veut. C'est quoi dans le soin ? Alors. Donc là, on a notre frère là-bas. On a autre chose aussi. Empoisonner le tonneau de vin, mais c'est moi qui l'ai servi. S'il savait que je suis sur le point de me confesser, il ne serait pas à me tuer. Oh maudit soit le jour où Honoré a pris connaissance des prédictions de Nostradamus. Il est fou, il m'a tué en sa folie, mais je suis... Je regarde en même temps s'il n'y a pas autre chose. J'ai vu un moine là-bas. Il allumait un feu. Un feu, ici, dans la vigne. Je lui ai crié de décamper, et il a pris ses jambes à son cou. Ok. Ok, ok, ok. Là, il y a un autre là. Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Frère Jean et lui étaient très proches. Je crains que le meurtre de Jean ne le fasse sombrer dans la folie. Ouais. La volonté de Dieu échappe aux simples mortels. Nous étudions et prions autant que possible, et nous en distinguons quelques bribes chez les prophètes. Je crois que Nostradamus en est un. Ok. Il nous appartient d'être les nouveaux martyrs. Je vois pas autre chose en fait. Je suis à 10 sur 13 en disant. Alors, moi, je serais vous, j'aimerais bien que vous arrêtez là au gameplay, si je trouve pas d'autres indices, bien sûr, et que vous me dites, en fait, par commentaire, qui, d'après vous, était le meurtrier. Moi, j'ai mon avis directement, je vous le dis pas, parce que voilà, c'est un peu chacun ses idées. Là, j'ai pas pris un coffre. Hein. Donc, dites-moi par commentaire, pour vous, qui était le moine meurtrier. Si vous vous rappelez plus du nom, vous inquiétez pas, vous mettez celui-là près des vignes, celui-là près de... celui-là près de... du bâtiment, enfin, je vais me démerder avec ça, près du feu aussi. Vous mettez ça, je vais comprendre. Ah, merde, je sors. Je vais fouiller les coffres en haut. Je sais qu'il y a des coffres que j'ai pas fouillés. Remarquer un grand livre en plus de 4-1 siblings, les prophéties de Nostradamus. Ça, c'est un frère Honoré. D'accord. L'autre coffre est où ? Là. Affaire personnelle. Également au fond du coffre, une page arrachée à un livre. Des sceptres rameaux à 3 sont réduits, les plus aînés seront morts. Seront tombés par mort, fratricides, les deux seront séduits. Les conjurés en dormant seront morts. Nostradamus. Frère Jean. Il doit me rester un coffre normalement, non ? Un coffre, un truc à récupérer. Parce que je suis à 12 sur 13. Je peux trop parler ? Alors, je vais t'accuser. Thank you.
Le troisième, le dernier indice, en fait, le 13e. Le 13e indice. Parce que là, je sors encore une fois. Là, il y a rien. Là-haut, je pense pas qu'il y a quelque chose là-haut, mais puis là, je monterai pas pour rien. Il y a la truc là-bas, mais il y a la truc là-bas, mais d'accord, là. Alors, il n'y a rien d'autre. Ah, si, d'avoir une autre chose, mais je sais pas le cas. Donc là, nous avons frère Honoré. Là, c'est frère Joseph. Et là, du coup, on a frère Bénédicte. Ok. Alors, du coup, on va aller dans le journal. Base de données, peut-être. Dossier. Meurtre prédit. Voilà, guide d'enquête. Alors, je vais tout remettre. Donc, frère Jean, un moine étranglé à l'aide d'un rosaire. Il semble être tombé de son siège. J'en ai qui croient. D'accord. Donc là, on reprend tout. Donc je vais y aller doucement, hein, pour que vous voyez un petit peu aussi. Donc frère Stanislas, Bernard et Benoît sont morts. Déclaration de frère Bénédicte. A indiqué que les trois moines sont morts dans leur lit et étaient les plus anciens de l'ordre. Ils sont tombés malades après avoir bu du vin servi par frère Jean. Et être allés se coucher. Lorsqu'il s'est avéré impossible de le réveiller, frère Bénédicte est allé chercher un médecin. À son retour, il a trouvé frère Jean étranglé à sa table de travail. Donc là, en gros... En gros, ce serait frère Jean qui aurait servi à boire. Et c'est frère, l'accuse quelque part frère Bénédicte. Frère Honoré pense que l'Ostrémus est un prophète. Ok, bien. Déclare que frère Honoré et frère Jean étaient amis. Se dit inquiet de l'effet positif possible des meurtres sur l'état mental de frère Honoré. Indiqué que la mort des frères Benoît, Stanislas et Bernard et Jean, trois autres sont toujours en vie, refusent de croire que l'un d'entre eux a pu tuer les autres. A vu un frère allumer un feu au vignoble, a crié, vu le frère en question s'enfuir, incapable de l'identifier. Empoisonner le tonneau de vin, mais c'est moi qui l'ai servi. S'il savait que je suis sur le point de confesser, il n'hésiterait pas à me tuer. Au maudit sur le jour Honoré a pris la connaissance des protections de Stramus. Il est fou, il m'entend s'amener, je suis. Ouais. Ensuite, on peut remarquer un grand livre rempli de 4 cibalins. Là, c'est une page archive. Pour moi, ce serait le. Là, frère Jean, il est mort. Attendez.
Putain, genre, il est pas mort. Pour moi, ce serait frère Jean, personnellement. C'est frère Bénédicte. Merde. C'est frère... Joseph. Et toi, t'es... Argent, ça serait celui qui sera en haut en fait. Le. Oui ? Non, c'est la... Mais je n'ose le dire. Serait-il possible que le meurtrier soit l'un d'eux ? Non, c'est ridicule. Quel moine serait capable d'une telle monstruosité ? C'est ça, je l'ai pas vu. D'accord. Serré dans le poing du mort, un morceau de papier froissé provenant apparemment d'un journal. Il est écrit coupable, je les ai empoisonnés. Il disait que Dieu voulait que je le fasse à cause de la prédiction, mais je me sens coupable. Je suis un meurtrier, je dois confesser mon crime sur le champ avant que. D'accord. Donc avant que. Pour moi, c'est pas frère Honoré, ça c'est sûr. Bon, allez, moi je pars sur frère Bénédicte. Pour moi, ce serait frère Bénédicte. On va essayer, hein, c'est le premier. Hein. Du coup, c'est que frère Bénédicte, c'est toi, hein. Ouais. Que d'émotions. D'abord, la mort des frères. Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis très là. Ils sont allés se coucher et... Moi ? Un meurtrier ? Au contraire, je suis allé chercher le médecin. Vous accusez un suspect à tort. Ah merde, c'est pas lui. Ah, chier, tiens. Bon, je dirais à l'autre là-bas, personnellement. Chie-toi. Frère Honoré. La volonté de Dieu échappe au simple mortel. Nous étudions... Je pensais pas que c'était toi, mais on va essayer. Autant que possible, il était écrit que les conspirateurs mourraient dans leur sommeil. Jean a été victime d'un fratricide. Est-ce un meurtre que d'accomplir une prophétie ? D'accord, donc c'était lui qui était à fond dans la prophétie de Nostradamus. Ok. Bah en fait, je voulais pas croire que c'était lui parce que j'étais quand même ami apparemment. Donc c'est vrai que... C'est vrai que voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez bien trouvé, vous. Moi, je sais que j'ai galéré, hein. Excusez-moi. Moi, j'ai pas trouvé directement. Moi, j'ai trouvé deuxième fois. Mais c'est pas simple, mine de rien, c'est vraiment pas simple. Donc, bon, je pense qu'il y en aura d'autres, de toute façon. On aura d'autres moments pour se rattraper et faire preuve de rapidité. La prophétie se réalise. J'en suis la preuve vivante. À trop lire les écritures, il a cru que tout était écrit. 9 fois sur 10, c'est le fou qui est coupable. Servez-vous. Je me sers où ? Ah, d'accord. Je me sers pas, en fait. Tu n'y arrives pas ? L'affaire n'est pas simple, hein ? Ok. Bon, je vais vite faire récupérer la concave. Oh, merde. Garde. Qui est là-bas ?
Enfin, si je la trouve, parce que si je la trouve pas, eh ben je la trouve pas. Ah, tu pourrais te faire tenter, salasse. Ah ouais, c'est celle tout à l'heure. Je te ferais passer l'envie de courir. Je crois qu'elle est quand même. Ouais, dans le bâtiment, peut-être. Ça peut aussi, hein. Ouais, bref. Passons. On va écouter les gamers, je vais vous laisser là. En espérant que le gameplay et les enquêtes vous ont plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Nous, on se retrouve dès demain pour la suite d'Assassin's Creed Unity. L'histoire et les activités annexes. Donc voilà. Bah écoutez, je vais attraper le voleur. Et je vous laisse directement après. Voilà. Allez, à bientôt les gamers.